Salut tout le monde, bienvenue dans le 24e épisode de la série Track Day. Cette semaine, la deuxième voiture à laquelle on va s'intéresser est une voiture de compétition. Il s'agit de l'Audi R8 LMS GT3. Vous l'avez sous les yeux en train de tourner sur le tracé de Donington. Sachez que la voiture et le tracé seront disponibles dans la description en téléchargement. Parlons un petit peu donc de cette Audi qui arrive pour Assetto Corsa. Il y a une autre version qui a déjà été disponible un peu plus tôt avec le moteur de la R18, avec un hybride, c'était très mal fait. En tout cas, celle-ci, elle reprend les configurations de la voiture qui court depuis 2008 en compétition IRL, donc en GT3. Donc cette voiture qui a débuté en fait en 2008 avec des tests, mais qui a été officiellement disponible pour les clients en 2009. Donc elle a couru sous différentes couleurs, notamment les équipes Phoenix, on en pense, l'équipe WRT. Qui n'est pas encore l'équipe officielle, quoique maintenant ça l'est presque devenu. Donc l'Audi R8 qui a la dénomination donc R16, mais ce n'est pas une Renault, mais c'est bien la dénomination R16 dans le cas de la Audi. Elle est équipée d'un V8 qui sur ce mode est plutôt bien retranscrit. Elle fait un beau vrombissement, un beau craquement, donc c'est un très beau son. Je vous laisserai profiter ensuite des caméras embarquées. Et il faut dire que depuis 2008 et que cette voiture a été lancée, elle a un petit peu tout raflé en compétition, donc elle a remporté grosso modo, je vous liste les championnats parce que c'est assez impressionnant, le Belcar, la DAC GT Master, le championnat d'Europe de GT, les 12 heures de Bathurst, les 12 heures du Nürburgring, les 24 heures du Nürburgring, les 24 heures de Spa, les 24 heures de Daytona. Donc franchement, une voiture qui a réussi à s'exporter aux États-Unis. Elle doit avoir aussi peut-être quelques manches au Japon, peut-être pas en Super GT, mais en tout cas une voiture qui a été très présente en Europe et aux États-Unis et qui est toujours présente aujourd'hui en compétition, dans, notamment donc, je citais l'équipe WRT qui s'engage notamment en 24 heures de Spa-Francorchamps, qui fait le Blancpain Endurance Series et le Blancpain GT Series. Donc voilà, une voiture qui aura eu un bien beau palmarès et qui est tout doucement en train d'être remplacée par la nouvelle version de l'Audi R8 qui a été entièrement relookée au niveau aéro. Mais tout cela, j'espère qu'on en parlera dans un prochain mode, peut-être pour Project Cars, qui est le support qui a été choisi par les modeurs pour développer cette nouvelle Audi R8. En tout cas, les amis, vous connaissez la tradition dans Track D. Je vous laisse monter le son et profiter un maximum de cette Audi R8. Salut les amis.